Méfiez-vous de l'histoire qu'on nous raconte. Et plus spécifiquement, méfiez-vous des événements historiques. Je vous explique. Si on y réfléchit bien, la plus grande partie de ce qu'on sait des événements historiques, comme la Révolution française et la bataille d'Austerlitz par exemple, provient de témoignages de personnes présentes sur place. Pourtant, d'après Gustave Le Bon, cela pose un énorme problème. Un problème qui nous amène à douter de la réalité des faits historiques. Les événements les plus douteux sont certainement ceux qui ont été observés par le plus grand nombre de personnes. Dire qu'un fait a été simultanément constaté par des milliers de témoins, c'est dire que le fait réel est en général fort différent du récit adopté. Et il va encore plus loin en disant « Il découle clairement de ce qui précède qu'on doit considérer les livres d'histoire comme des ouvrages d'imagination pure. Ce sont des récits fantaisistes de faits mal observés, accompagnés d'explications forgées après coup. » Alors, je ne vous dis pas que l'intégralité des faits historiques est absolument fausse, mais simplement qu'ils ne se sont peut-être pas passés exactement comme ils nous sont présentés. Car finalement, tout n'est toujours qu'une question de point de vue. Par conséquent,